L'instant bien-être de votre matinale, Coralie Dium. Et on va siester. Oui, on va siester. On va pas siester n'importe où, on va siester au travail. Oui. Ça va peut-être vous donner des idées. Parce que oui, la sieste, Olivier, s'invite de plus en plus dans le monde du travail. D'après la NASA, les micro-siestes permettraient d'augmenter la productivité des salariés de plus de 30%. Elles boostent la vivacité d'esprit, améliorent la mémoire, diminuent le stress et ont un impact évidemment très positif sur l'humeur générale. De 10 à 20 minutes, c'est parfait. Pas beaucoup plus, parce que sinon, on risque d'avoir l'effet inverse et de se sentir un peu vaseux au réveil. Alors, il y a pas mal de petites choses que l'on trouve dans le commerce, comme cet oreiller. Alors cet oreiller, en plus d'être très confortable, regardez, voilà, un oreiller à mémoire de forme ultra confortable, il est très malin. Il va falloir me le rendre pour que je puisse faire ma démo. Mais je promets que je vous le redonne après, parce que je sens qu'il s'est passé quelque chose. C'est agréable. Regardez en quoi il est ultra malin. Je le mets là, je le mets dans sa housse et je le roule comme cela, vous allez voir. Et ça va devenir un tout petit oreiller qu'on va pouvoir emmener absolument partout. Donc ça, c'est ultra malin. Tenez, c'est cadeau, c'est merci. Pour vous, Karima. Celui-ci, c'est une création française. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui travaillent beaucoup et qui conduisent beaucoup, qui veulent faire des petites siestes dans la voiture. Ça, c'est génial parce que vous l'accrochez juste là et c'est fini l'oreiller qui tombe en permanence quand vous essayez de dormir dans la voiture. Pour caler là, le visage accroché, contre la vitre. Il est là, vous êtes confort. Ça, c'est une même création train, c'est française. Exactement, petit cadeau. Et même sur la chaise du bureau, hein, ça marche aussi. Création française, petit cadeau que l'on salue. Mais évidemment, tous les spécialistes préconisent d'avoir un espace vraiment dédié à la sieste. Oui. Un espace, c'est ça qui est préconisé par les spécialistes pour avoir un confort optimal. Et c'est justement l'idée de deux jeunes femmes, deux jeunes françaises, Camille et Gabrielle, qui ont créé juste ici un cocon de sieste que l'on va aller tester. Venez Karima, c'est venez vrai. Avec... Christopher, attends. Oui, il préfère Christopher, premier sur la Karima sieste. Karima a déjà deux oreillers. Donc Karima, on va la laisser avec ses oreillers. Je pense qu'on va perdre tout le monde de cette matinale. Alors venez Christopher, je vous invite à tester le cocon de sieste, donc Nap and Up. Alors ça, c'est pour évidemment l'installer dans le milieu professionnel, au travail. Un petit cocon, regarde, ça prend pas beaucoup de place. Vous voyez, il est déjà pas mal. On sent qu'il est déjà dans l'ambiance de la sieste. Christopher, je pense que dans quelques secondes, on va complètement le perdre. Parce que, évidemment, vous avez donc le petit masque pour les yeux. Vous avez le petit casque audio. Alors Christopher, il va falloir mettre un petit casque audio. Tenez, mettez votre petit casque. À l'intérieur, vous serez guidé par un sophrologue pour vous aider à entrer dans cette plénitude de la sieste. Et vous serez aussi guidé pour le réveil, pour que le réveil ne soit pas trop brutal. La sieste durera, on programme la durée que l'on souhaite, mais 20 minutes, c'est très bien. Et alors, en plus de l'isolation phonique, pour avoir aussi une isolation visuelle, pour ne pas être dérangé par le regard des collègues, eh bien, on referme. Bonne nuit, hein. Au revoir, Christopher. Bonne nuit. On referme définitivement. Voilà, on a perdu Christopher. Donc ça, c'est absolument génial. Ça s'invite de plus en plus dans les entreprises. Et si on n'a pas la chance, malheureusement, d'avoir ça au travail, il existe des bars à sieste et des restaurants à sieste. Je vous invite à essayer. Merci beaucoup. Combien ça vaut ? 3000 euros. Alors évidemment, c'est investissement fait par l'entreprise pour ses salariés. Et puis, donc c'est là, rentabilisé. C'est un message que vous adressez, chère Coralie, à nos patrons. Le message est passé. Merci beaucoup.